Bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue aujourd'hui pour la suite de notre série Hardcore Survie sur Minecraft. Chut, écoutez. La dernière fois on s'était arrêté juste ici. On avait construit deux fours, on avait construit un petit établi. Donc tout allait bien. Je crois que j'étais en train de faire fondre de la ferraille. Vous voyez que j'avais sauvegardé juste derrière. D'ailleurs c'est encore en train de fondre, c'est magnifique. Et de ce côté là j'étais en train de préparer quelques petites côtelettes pour la suite de notre aventure. Alors bien sûr j'ai lu tous vos retours sur le premier épisode. J'ai lu plein de commentaires intéressants, il y en a d'autres qui étaient un peu moins intéressants. Il y a quelqu'un qui m'a donné un défi dans les commentaires. Il m'a dit trouve les underpearls et bat l'under dragon. Mais attends, si je ne m'amuse, ne serait-ce pas le but ultime de la survie sur Minecraft? Ne serait-ce pas la finalité de ce mode de jeu? Il me semble que oui. D'ailleurs, j'ai jamais été jusqu'ici. Il y a une autre personne qui m'a dit trouve un diamant avant de mourir. Voilà qui me paraît un peu plus accessible. Bon, on va prendre nos petites côtelettes et tout. Alors pareil, il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois d'ailleurs que tu n'es pas le seul à m'avoir dit ça, qu'on peut fabriquer du charbon en brûlant du bois. Mais le truc, c'est que je le savais déjà, mais c'est que j'y pensais plus, tu vois. Donc vraiment, merci à toi de me l'avoir fait rappeler. Donc aujourd'hui, quel est le but, les gens? J'ai envie de me stuffer full fer pour cet épisode. Full diamant, ça va être dur. Bien entendu, nous sommes toujours en hardcore. On n'a toujours qu'une seule vie. C'est-à-dire que dès qu'on perd, c'est fini, le monde s'efface. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Je ne sais pas du tout si ça va être le dernier épisode de la série, s'il va y en avoir d'autres derrière. Vraiment, j'ai pas trop envie de partir pessimiste. J'ai envie d'y croire. Mais je veux garder les pieds sur terre un petit peu. On est quand même en hardcore, c'est chaud. Donc ce qu'on va faire les gens, c'est que on va se stuffer en fer pour commencer. Il nous faut du bois, attendez, on va aller dehors. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Est-ce qu'il faisait nuit? Ah oui, c'est vrai, voilà, on était passé par ici. Par où on était passé? D'accord, on était passé par ici. Oh, écoutez, ça pleut? D'accord, je pense qu'on va essayer de remonter à la surface tout doucement. Je vais creuser des petits escaliers comme ça et on va remonter. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des escaliers. Oh, c'est quoi ça? Dis-moi pas qui va venir. On va vraiment se la jouer fine. J'ai pas envie de prendre de risques pour rien. Je crois qu'on est presque atterri dehors. On va creuser vite fait comme ça. Alors, bien sûr, la dernière fois, j'ai vu que vous avez kiffé le premier épisode. Ça me fait vraiment très plaisir. J'adore la survie sur Minecraft. C'est un de mes modes préférés, d'ailleurs. J'espère qu'on va pas se faire avoir par un monstre ou quoi. Ok, ok, on est pas mal. Ah, mais en fait, on est vraiment pas loin du village. Bah oui, on est à côté. Alors, attendez, je vais me mettre quelques points de repère. Je vais mettre une torche juste ici. Voilà, ça pourra toujours me servir. Oh! Attends, attends, attends. Voilà, il y a des cochons là-bas et tout. Vas-y, on va prendre. Viens ici, saloperie. Viens là, ma jolie. Voilà, une petite vache laitière. Ça mange pas de pain. What? Putain, je suis déjà quasiment full au niveau de l'inventaire. D'ailleurs, on va manger une petite côtelette. Voilà, la nuit tombe super vite. C'est un truc de fou quand même. Hein. Toi, viens ici, mon joli. Alors là, vraiment, je vous dis, on va essayer de pas trop s'égarer. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de me faire un petit stuff full fer. Enfin, full fer, si je peux. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile de se stuffer en mode hardcore. Ce qui serait en soi logique. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a du charbon, ok. Ah ouais! Attends, attends, attends. C'est du bois qu'il me fallait, les gens. C'est du bois. J'ai complètement oublié. On va aller chercher du bois. Par contre, on va essayer de pas trop s'éloigner. Parce que je vous dis, la nuit en hardcore, c'est même pas la peine. Bah, vous avez bien vu ce que ça donnait la dernière fois. C'est un petit peu chaud. Toujours redoubler de vigilance en mode hardcore. Le danger peut surgir de n'importe où sans prévenir. J'ai quoi en bois? Ouais, 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 ouais. C'est pas mal. Je vais en prendre encore un petit peu. Je vais bien me stuffer. Oh, c'est quoi ça? Je me casse, je me casse. J'ai assez de bois, c'est bon. C'est bon, on a assez de bois. Vas-y, on prend pas de risque. Ici, on va fermer, je pense. Attendez, sauf s'il vient pas par ici. Non, c'est bon, tranquille, tranquille. Ok. Alors, j'ai vu aussi quelqu'un dans les commentaires me dire que si j'avais mis la version 1.13, il y aurait eu des dauphins, des tortues, je ne sais quoi encore. Mais en fait, il n'y a pas de version 1.13 sur Minecraft. Déjà, je suis sur la dernière version, la 1.12.2. Enfin, je crois. Arrêtez-moi si je me trompe. Après, peut-être que j'ai loupé un épisode. C'est possible qu'il y ait une version 1.13. Et dans ce cas, bah, je veux bien un lien ou quoi. Alors, attendez, on va faire quelques petits blocs de bois. Voilà, yes, nickel. Ce que j'ai envie de faire, vraiment, c'est du charbon, pour le coup. Je vais en prendre l'autre moitié. On va en mettre juste
Ouais, il nous faut vraiment masse de charbon quand même. Voilà, nickel, on va faire ça comme ça. Donc là, l'objectif, comme je vous disais, c'est de se stuffer en fer. Épée, ça c'est cool. On va se faire également une pioche, c'est parfait. D'abord les outils, ensuite on verra par la suite. Ah merde, j'ai plus de... D'accord, il va falloir que je refasse des petits bâtons. Donc tac, voilà, on va en faire quelques-uns, c'est nickel. Bien sûr, on va se faire une pelle. Hein. Oh là là, non mais c'est un truc de fou, je crois qu'il va falloir déjà qu'on se fasse un coffre. Hop, voilà, nickel. Alors là, je sais qu'au début, ça peut paraître un petit peu farfelu comme début d'aventure de se faire une petite base dans les grottes et tout. Mais vraiment, j'ai des projets pour la suite. Pour le début, on n'a pas trop le choix de faire comme ça. Donc, on va ranger tout ça, bien sûr, là-dedans. Ah, bah voilà, qui va nous faire un petit peu plus de place. Ça, c'est cool. Il nous manque la hache en fer. Hop, tac, c'est fait. Nickel. On a peut-être assez pour se faire des bottes. Ouais, vas-y, on va se prendre les bottes. Je pense pas qu'on a assez pour le reste, là. Si, le pantalon. Là, par contre, on a plus rien, là. On a fait les bottes et le pantalon. C'est déjà pas mal, franchement, pour commencer. Pantalon, bottes. Ah, bah voilà. Regardez ça, on n'a pas la classe comme ça un petit peu. C'est magnifique, oui, vous voulez dire. On va organiser un petit peu l'inventaire, on va se mettre bien. Voilà, nickel, comme ça, c'est pas trop mal. Et là, du coup, bah, on n'a pas assez de ferraille, hein, clairement. Ouh, attendez, il va nous falloir des torches aussi. Est-ce qu'il y a moyen de se faire 2-3 torches? On peut faire des torches au charbon de bois? Bien sûr, ouais. Bah écoutez, on va s'en faire quelques-unes. Ça va déjà un petit peu plus vite avec la pioche en fer. Ça, c'est cool. Ah, bah voilà, nickel. Là, il y a du charbon. Déjà, là, je suis un petit peu plus en confiance. Si on tombe sur des monstres ou quoi, je sais que je suis quand même un peu stuffé en fer. Bon, pour commencer, on se met vraiment pas trop mal. Début d'aventure plutôt correct, j'ai envie de dire. En plus, là, il y a de la ferraille. C'est ça qu'il nous faut. Je pense que là, les gens, on va vraiment pouvoir se mettre full fer. Alors là, ce serait vraiment un miracle. J'y crois pas trop. Mais si on pouvait trouver du diamant, ce serait vraiment merveilleux, j'ai envie de dire. Mais comme je vous dis, j'y crois pas du tout. Disons qu'à mon avis, avant de tomber sur un bloc de diamant, je pense qu'il y aura déjà du mal de fait. Bon, avant d'aller plus loin, on va remonter. On va aller faire fondre la ferraille. Voilà, en plus, on n'est pas loin, c'est nickel. On va prendre ça. Voilà. On va en mettre un petit peu à côté. Autant utiliser les deux fours. C'est de la survie tout ça. C'est des petits détails mais ça compte. Alors par contre il y a un truc, je sais quoi là, si on appuie sur F3, on voit les couches ou quoi, mais je sais pas du tout c'est à quel numéro il faut se référencer. Ah si d'accord, c'est le 35. D'accord, on a la couche 35, 34, vous voyez, 35, 34, c'est sur l'axe X, Y, Z. Voilà, donc je crois que le diamant et tout, c'est vers la couche, c'est très bas, il me semble. Ok d'accord, ma pioche elle est morte, on va aller tout de suite s'en faire une autre. Alors aussi les gens, je voulais vous proposer un petit sondage dans les commentaires. Je vais même également le mettre dans la vidéo directement. Vous pourrez cliquer, je crois que c'est, ce sera de ce côté-là, il me semble. Et je vais mettre un petit sondage. Est-ce que vous préférez Minecraft avec ou sans les shaders? C'est vous qui choisissez si vous voulez qu'on mette les shaders pour la suite de l'aventure ou quoi. Si c'est le cas, faudra que je trouve des shaders en 1.12.2 sur la dernière version. Moi, je trouve ça quand même un peu plus stylé avec les shaders. Après, je comprends qu'il y en a qui disent que ça peut dénaturaliser le jeu ou quoi. C'est votre opinion, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, avec ou sans shader, ça ne nous empêchera pas de nous amuser. Donc ça, c'est cool. On va récupérer tout ça. On va se faire... Yes! Petit plastron en ferraille. Ah putain, on n'a même pas assez pour se faire le casque. On a déjà le plastron. Là, on commence à se mettre bien. Bon, je pense qu'avec ça, on va pouvoir se faire le casque. Yes! Ok, je pense que là, les gens, cette fois-ci, on est full fer. Nickel. Normalement, il n'y a pas les gants. Il me semble qu'il y a les gants, normalement, mais peut-être qu'ils y sont pas, là. Je sais pas du tout. J'allais dire, je vais poser la ferraille au cas où on meurt, mais j'avais oublié qu'on était en hardcore. Donc dans tous les cas, que je sois plein de ferraille ou plein de diamants sur moi, si on meurt une fois, c'est fini. Ça c'est l'habitude de la survie classique, à dire on va récupérer notre stuff et tout, alors qu'en fait, dans ce mode de jeu, pas du tout quoi. Va falloir qu'on s'y habitue. J'ai l'impression qu'il y a masse de charbon dans ce coin. En même temps, ça nous fait gagner des petits niveaux. Alors les niveaux par contre, je sais plus à quoi ça sert dans Minecraft. Il me semble, je sais plus si ça sert pas à enchanter les armes ou quoi... Quand t'as tant de niveaux, tu peux enchanter telle arme ou quoi. Là, pour le coup, si vous voulez m'aiguiller... Ah, c'est quoi cette pierre déjà? D'accord, donc ça, c'est de la pierre qu'on peut pas miner. Je pense que du coup, on est quand même très bas. On est en couche 5. À mon avis, on devrait pas trop tarder à récupérer du diamant. Bon, bah écoutez, on va avancer, par ici. Hein. Oh, c'est quoi ça? De la redstone. Ouais, pourquoi pas. Encore de la redstone. Alors, je pense que par la suite, on va très certainement se construire une base... Ça pourrait être pas mal. Pour l'instant, on va dire que c'est le début de l'aventure et tout. Avant de mettre le nez dehors, j'ai vraiment envie de me stuffer bien comme il faut. Oh! Du diamant! Eh ben voilà! Ah, bah là, on commence à se mettre bien.
je pense que du coup, on va pouvoir se faire une petite pioche en diamant pour commencer. Ouais, ouais, ouais. On va attaquer directement la pioche. On va continuer d'avancer. Des fois qu'on retombe sur du diamant. Oh, écoutez. Il y a de l'eau. Qui dit eau, dit grotte, dit sûrement des monstres. Oh putain, le salopard. Vas-y, viens là. Tiens, prends ça. Putain, mon vieux, il est costaud, lui. Progrès réalisé, chasseur de monstres. Oh, oh, ok, ok, ok. Il est là, il est là. Vas-y, viens ici. Voilà. Putain, même ces petites merdes en hardcore, laisse tomber, quoi. Tu dois leur mettre deux coups d'épée en fer pour en arriver à bout. Ouh, de l'or. Oh, il y a de la lave aussi. Il y a de la lave. Merde. Ah, c'est que c'est jamais bon de creuser au-dessus de notre tête quand on sait pas ce qu'il y a. Et avec la chance que j'ai, je vais me la ramasser sur la tête dans pas longtemps. D'accord, c'est là, c'est là, c'est là. On bouche. D'accord, c'était là. Voilà, 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 voilà. Impeccable. Je vais mettre une torche juste ici. Voilà, je sais que là, faut pas y aller. Et c'était où l'autre côté? C'était là. On va mettre également une torche ici. De toute façon, à chaque coin où il y aura de la lave, on va mettre une torche. Histoire de se fixer quelques points de repère, on va dire. J'ai trouvé un petit peu d'or juste ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas du diamant qui se cache derrière l'or? En général, quand ça sent l'or, pas loin, il y a du diamant. Ou pas. Ça dépend. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Eh ben, il y en a là. Impeccable. Regardez ça. Voilà, nickel. Alors, attendez. On va faire les comptes. On a combien? On a 8 diamants. Ah, 8 diamants. C'est pas non plus... C'est pas ouf, hein. Merde, ma pioche est morte. On retourne au QG. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal miné, hein. Pour aller jusqu'au QG, il y a quand même de la route, un petit peu. Je regarde au passage si j'aurais pas laissé... 2-3 blocs de diamants traînés. On ne sait jamais. Des fois que je sois passé à côté de quelque chose. Ah ouais, les tunnels, ils sont vachement longs. C'est un truc de fou, quoi. J'ai bien creusé, là, pour le coup, hein. J'ai quoi en ferraille? Oh, bah ça va, 27 de fer. Voilà, on va remonter là-haut. Impeccable, on va ranger tout ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se refaire un petit coffre? Voilà, on va se faire un coffre un petit peu plus grand. On va mettre ça juste à côté. Putain, mon vieux, laisse tomber. Je suis en train de taper de la pierre avec une côtelette de porc, quoi. Et ça marche? C'est ça, le pire. Alors, de la pierre. Ah bah, de la pierre, tu peux y aller. Il y en a de la pierre, hein. Ça n'en manque pas. De la redstone, pareil. Ça n'en manque pas. De la terre, il y en a. On va faire fondre tout ça. Impeccable. On va même se faire fondre de l'or. Voilà, on va récupérer ça. Ah bah c'est nickel là, c'est parfait. On va se faire une pioche en diamant parce qu'il nous faudra de l'obsidienne pour faire un portail du Nether. Ah putain, j'aurais hésité limite entre la pioche et l'épée. Je crois que je vais pouvoir me faire les deux, non? Ah, on va peut-être pouvoir se faire les deux. La pioche et on va se faire également l'épée, hein. Direct. Ouais, cash. On peut même se faire la hache. Oh, la hache en diamant, c'est du gaspillage. La pelle en diamant, c'est pareil, ça sert à rien. Non, non, le reste, ça va être du gaspillage. Par contre, la pioche et l'épée, ça, c'est nickel. On peut également se faire des armures en or. Ça, ce serait pas trop mal. Ouais, pourquoi pas. Déjà, je me sens un petit peu plus en confiance, là, voyez. Je suis quand même... je suis pas trop mal stuffé. Dehors, ça fait jour, j'ai l'impression. Ouais, la nuit arrive à grands pas, là. Je prends pas de risque, les gens. Pas en hardcore. Ouais, vas-y, lui, je vais me le faire au moins. Ça va, c'est bon. Il y a un squelettor là-bas. Tiens, toi, tu dégages. Voilà, nickel. Lui, par contre, ouais, je tente pas le diable. Hein. Il y a une pieuvre pour prendre de l'encre ici. Ça, ça m'intéresse. Toi, tu dégages. Est-ce que ça attaque, ça? Ça attaque pas, ça? Ah, putain, il y a l'autre qui va arriver là-bas aussi. Ce que j'aurais bien envie de faire, c'est une carte. Je sais même plus comment qu'on fait du papier dans Minecraft. On va aller voir dans le coffre. Il me semble... Voilà. Il nous faut de la canne à sucre. Ah ouais, on en a que 6. Ouais, non, 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 non. Va falloir que j'en fasse pousser. Crafter carte Minecraft. Alors, attends. C'est 9 papiers et une boussole au milieu. Et pour faire la boussole, c'est 4 lingots et une redstone. On a la ferraille. Normalement, j'ai de la redstone juste ici. Voilà, on a la boussole. Et donc, putain, merde, j'ai crafté du papier. Nouvelle recette, normalement, je peux faire une carte maintenant. Sauf que j'ai pas assez de papier. Voilà, carte vierge. Ouais, il va me manquer du papier. Bon, les gens, on va s'arrêter ici pour le deuxième épisode sur la survie hardcore. Franchement, on a plutôt bien avancé, j'ai envie de dire. On est full fer, donc comme j'avais prévu. On a même une épée en diamant, une pioche en diamant. Donc là, prochain épisode... On va se mettre à crafter la carte. Bien entendu, il va nous falloir du bambou pour fabriquer des bouts de papier. Donc, va falloir partir à l'exploration. Va falloir également bien se stuffer. Encore mieux qu'on ne l'est déjà. Et on se mettra sûrement à construire une base aussi. Histoire qu'on rentre bien dans le vif du sujet. Qu'on soit bien dans la survie. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like. Et ça fait toujours plaisir. Nous, on se revoit bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye bye!